Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'Amira Blindé. Écoutez très bien ce qu'Amira Blindé est en train de dire. Amira Blindé n'est pas d'accord avec cette histoire de la mort de papa Ado. Écoutez très bien, on vous dit souvent dans la cour, dans la famille, quelqu'un peut faire des choses et parmi lui qui a fait des mauvaises choses, parmi ses frères Ado, tu vas dire mon frère, c'est qui tu as fait là? Tiens, c'est pas bon. Mais vous, quand vous dites non, que c'est qui toi tu as fait, c'est pas bon, vous êtes fâchés en même temps. Pourquoi? Vous êtes dans l'erreur et puis vous êtes dans les faux types. Vous êtes dans les faux trucs et puis c'est vous. Vous voulez que non, les autres n'ont qu'à vous suivre. Mais les souris ne sont pas bêtes. Les souris sont intelligents. Voici, sous le, voici Amira Blindé, tu es en train de cracher ses vérités. Franchement, aujourd'hui, les sorties d'Amira Blindé me touchent au cœur parce que souhaiter la mort de quelqu'un et puis aller danser, mais il faut être vraiment un sanguinaire. Il faut être quelqu'un sans cœur, avant de glorifier la mort de quelqu'un. Franchement, je suis dépassé ici, assis par terre. Et je regarde. La famille, voici la vidéo de Amira Blindé. Regardons et écoutons-le ensemble. Et vous allez mieux comprendre. Voici sa vidéo. Non, il est mieux qu'on pose ça comme ça, non? On vous dit de ne pas grossir. T'as dit qu'on va passer là-bas. Si, moi je vais passer. Arrête. Bon, je suis avec le général. Je t'envoie une vidéo sur ton téléphone, non? Je vois. Voilà, je vois. On va écouter la vidéo d'abord. Et il faut aller sur. Voilà. Vous savez, dans la vie là, je sais que il y a des gens, ils vont dire, mais Blindé, toi-même là, tu es comment même? Il y a des gens qui vont attendre. Voilà. On va Karim. Bamba. N'était-nous, ni qui a téléphoné plâtre au fond. Alors lui-même, il demande si tu as dit. Ouais. Non, j'aime pas quoi. Moi, je voulais qu'il faut qu'il mais il y a une nécessité. Ouais. Donc, les gens disent. Actuellement, ils sont en train de. Donc, je disais que des gens, ils vont dire, mais Blindé, toi-même, on ne te comprend pas. Moi, je suis opposé à Alassane Ouattara. Même aujourd'hui, là, si j'apprends qu'ils ont fait coup d'État, là, je ne vais pas pleurer. Et moi, nous, on va danser. Voilà, nous, on va danser. Mais, venir s'asseoir, dire que, ouais, Alassane Ouattara, il est mort, là, moi, je ne suis pas dedans. Parce que c'est quelqu'un, j'ai un problème, c'est comme un enfant. Ton enfant, il peut faire des bêtises, mais jamais tu vas le jeter. Voilà, tu ne vas pas aimer ce qu'il fait, mais ça ne peut pas te pousser à le détester jusqu'à le souhaiter malheur. La mort. Alassane Ouattara, il nous pourrit la vie. Mais moi, là, je ne vais pas rentrer dedans pour dire non, Abbé Farah, Dolata, Bolata. Qu'est-ce qui nous garantit, si Ouattara n'est pas là, là, que tout va être propre? Salut, Gibril. Comment tu vas? Qu'est-ce qui nous garantit si Ouattara n'est pas là, là? Et puis, nous sommes en, même eux, là. Et tous les jours, on les voit. Ouais, Guillaume Soro, il est malade. Guillaume Soro va mourir. Mais moi, je veux pas rentrer dans ça. Ne te fais qu'à aller là. Donc, ceux qui disent que Alassane Ouattara est mort, là. Parce que pour vous, c'est une fête. Moi, c'est quelqu'un, j'adore beaucoup. Alassane Ouattara, mais son comportement, là, je n'aime pas. Ça, je vais pas cacher, hein. Et je vais le critiquer tous les jours. Et puis, je vais être dur avec lui. Mais souhaiter la mort de quelqu'un, non. Moi, ça là seulement, là, il ne peut pas rentrer dedans. D'accord. Bon, chers tous, vraiment bonjour depuis chez vous. Alors, moi, je ne vais pas me cacher. Je n'aime pas Draman. Ça, c'est clair. Je le déteste. Je déteste Draman. Draman même sait que je ne l'aime pas. Mettez ça lui. Et je sais aussi qu'il ne m'aime pas, ça c'est vrai. Mais, comme Blindé a dit là,
Si on en est Draman aujourd'hui par un coup d'État là, je serai l'homme le plus heureux. Si Draman démissionne aujourd'hui parce qu'il a violé la loi, il sait les choses, je serai l'homme le plus heureux. Mais de là, a dit que Draman n'a qu'à mourir, et puis nous on va fêter vraiment loin de moi. Loin de nous, je vais dire même. Loin de nous. Parce que moi-même, je veux pas que Draman meure. Je veux qu'il n'a qu'à être là. Je veux que Draman n'a qu'à être là. Bonsoir. Et Guillaume Soro va aller le saluer. Voilà. Moi, je veux que Draman n'a qu'à être là. Mm-hmm. Et puis nous, on va prendre pouvoir, il va voir. Mm-hmm. Mais si ton adversaire est mort, là, il n'y a plus concurrence. Ça, c'est pas bon même. Nous, on veut que Draman n'a qu'à rester. Et puis nous, on va prendre pouvoir devant lui. Voilà. Nous, on veut pas qu'il meure. Merci beaucoup, Abdul Karim, pour les étoiles. Maintenant, ce que je voulais ajouter, Alassane Ouattara, tous ceux qui souhaitent la mort d'Alassane Ouattara, et puis ils ont des mentors, tous les sorciers là, qui sautent, qui disent ouais, Ouattara il est mort, et puis c'est une joie dans leur cœur là. Si vous ne faites pas attention, c'est vous-même là, vos mentors là, ils vont mourir. Parce qu'ils sont tous vieux. Bon, comme la mort là, ils s'en foutent de l'âge. Oh. Ça prévient pas. Voilà, ça prévient pas. Lui là, il est jeune, lui là, il est malade, lui là, il est comme ça. Il n'y a pas un contrat voilà. Entre Dieu et quelqu'un. Donc, vous, je vous dis ça, hein, si vous n'arrêtez pas, c'est vous-même. Donc, on va écouter la vidéo. C'est moi, en tout cas, j'ai écouté, ça m'a fait mal. Attends, j'arrive. Ouais. Ça m'a vraiment fait mal. Comment c'est qui? Salut, attends, j'arrive. C'est pas confirmé, la personne m'a dit que c'est pas confirmé. Bon, c'est pas confirmé, oh. C'est pas confirmé, mais toi tu viens parler de ça, pourquoi? Ah là, mais. Monsieur Soro, ça fait trois appels. Trois appels qui me viennent concernant le Draman. C'est pour moi que j'ai mis de le Draman. En tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon, mais il y a quelqu'un qui en a parlé sur. Moi, je vais vous laisser écouter cette personne-là et à ma voix après. En tout cas, le temps. Qui est en train d'appeler là? Oh! Dire la vérité, parce que Draman, c'est quelqu'un qui, souvent, si vous voyez que je n'ai pas voulu en parler dans mon direct tout à l'heure, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime se faire pour mort. Et quand il revient, on dira ah, il revient des morts, donc c'est un héros. Mais en tout cas, je vais faire écouter quelqu'un d'autre qui a eu des informations comme moi aussi, qui a eu les mêmes informations que moi et qui en a parlé sur un média. Donc je vais faire écouter cette personne-là. C'est un Malien. Écoutez. Ok, tu vois, ce que le monsieur là, il dit en Bambara là, c'est-à-dire, il ne parle pas avec certitude. Il dit, c'est comme s'il n'était plus. Les infos que j'ai reçues là, il dit, j'ai pas la certitude, mais André, il n'est plus de ce monde. Bon, vous savez aussi, bon, c'est Alassane même qui fait tout ça là. Alassane, il a levé une béquet là. Voilà. Bon, moi, je ne vois pas l'utilité de ça, là. L'utilité sortie, venir dire, oui, tel est mort. Moi, je ne vois pas l'utilité. Parce qu'il y a des gens, là, eux, ils sont spécialisés sur les réseaux sociaux, là, à écrire RIP
sur photo des gens. D'après vous-même, ça n'a pas été officiel. Et puis vous-même là, vous avez même pas de preuves. Mais vous sortez quand même. Ouais, ça n'a pas été officialisé. Hein, j'ai pas la certitude. Mais André, il n'est plus de ce monde. Mais pourquoi tu dis alors? Pourquoi tu dis? Je vous dis encore. Entre les trois vieux là. Entre les trois vieux là. Gbagbo, Alassane et Bédier. Si vous... Si quelqu'un prie dans le camp là-bas pour que l'autre son menton n'a qu'à mourir là, c'est pour vous-même là qui va mourir, hein. Je vous dis ça, hein. Arou il est allé maintenant, hein. Je vous dis ça. Arrêtez ça là. C'est pas bien. Alassane, toi aussi là, il faut changer ton comportement, ça. Il irait même là. C'est-à-dire, je comprends pas. Tu as compliqué la vie à tout le monde. Il katrouya il est n'yami pe. C'est-à-dire, mais nous, il est qui demain, il qui s'y goulouka. Mais toi-même, tu es comment même? Regarde déjà. On dit, tu es malade. Les gens sont en train de dire, ouais, il est malade, il est malade, il est malade. Mais il y a des gens qui sont en train de fêter déjà ta mort. C'est pas bien. On va continuer sa vidéo. Je t'ai appelé pas trois fois. Trois personnes différentes m'ont dit que André qui n'est plus là. Mais je ne sais pas. Moi, je n'officialise pas. Et je n'ai pas dit. Mais pourquoi tu viens parler de ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, les appels sur la bande concernant un éventuel départ dans l'au-delà des Dramas. Voilà, un éventuel départ dans l'au-delà des Dramas Ouattara. Quelqu'un qui est au Mali, vu ce qui se passe entre Alassane Ouattara et le Mali, toi tu entends écho au Mali pour dire que Alassane Ouattara est mort. Et toi tu prends ta caméra, même le gars, même à Bamara, quand il parlait là. Il n'a pas dit que Alassane Ouattara est mort. Il dit qu'il n'a pas la certitude. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi toi, supporter de Gbagbo, moi-même j'aime Gbagbo, hein. Toi, supporter de Gbagbo, c'est toi, tu prends ton téléphone, tu t'assois pour dire oui, que Draman ne serait plus de ce monde. Mais j'ai pas la confirmation. Mais ces gens de nouvelles-là, on ne donne pas. Tu peux dire à quelqu'un, ah, j'ai appris, André, tu as eu ton visa, hein, tu vas partir en Europe. Ça, là, ça peut être joie. Mais venez s'asseoir pour dire, oui, moi, là, moi, je fais pas la politique comme ça. C'est-à-dire, la politique, là, moi, je ne peux pas faire la politique comme ça. C'est-à-dire, souhaiter malheur, surtout la mort, là. La mort, mais vraiment, Alassane n'a qu'à perdre le pouvoir, là. Oui, je suis pour ça, même à 1000%. Mais venez dire, non, Alassane Ouattara, il est mort. Toi, là, si Alassane Ouattara n'est plus là, ça va changer quoi dans ta vie? Hein? Toi, tu gagnes quoi dans ça, là? Je vous dis encore. Alassane Ouattara... Non, non, non. Je mets en marche. Hein? Non. Tu peux, hein? Ah, ok. Moi, Alassane Ouattara, là, c'est parce qu'il déconne. Alassane Ouattara, il déconne. C'est-à-dire, côté Soro, là, tellement il déconne, non. C'est pourquoi moi-même, là, Alassane Ouattara, quand je parle de lui, je ne le fais même pas cadeau. Sinon, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. Hein. Ce n'est pas quelqu'un que ouais, moi, je déteste. Non. Alassane Ouattara, là, c'est quelqu'un... Une fois tu aimes quelqu'un, là, moi, je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite. Voilà pourquoi j'ai préféré quitter son camp, le bombarder. T'as vu tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Les gens sont contents. Oui, Afala. Bon, John est un enfant. Qui ne va pas mourir? Qui ne va pas mourir? John est un enfant. Hein? Vous n'êtes pas à Abidjan. Vous êtes ici. Et puis, annoncer maladie des gens même là, ça donne quoi? C'est ça la politique? Est-ce que c'est ça la politique? C'est-à-dire souhaiter malheur de ton prochain. Toi tu viens, toi tu cherches le pouvoir pour que tes compatriotes là vivent bien. Mais toi-même là, tu n'as pas encore le pouvoir. D'accord, donc toi il y a été bloqué. Voilà, toi tu vas regarder seulement, je vais te bloquer.
te bloquer. Voilà, non, je vais pas te bloquer. Voilà, je vais te bannir. C'est ton papa là. Rip là, ça à ton papa, tu mets. Voilà. Rip là, ça à ton papa, tu as mis. Donc, j'étais bloqué. Voilà. Donc, voilà. Tout à l'heure là, on s'en va sur. On va aller sur TikTok. Bah, ici là, comme je suis plus la bienvenue ici. En même temps, TikTok. Et puis, sur TikTok là, il y a les jolis go là-bas. Et puis, TikTok, j'ai remarqué quelque chose, non? Les jolis go qui sont là-bas, là, quand ils dansent là, tu vois, ils sont dans les vilaines maisons. Donc, ça veut dire quoi? C'est dans les maisons bizarres, bizarres, dans les quartiers bizarres, bizarres, là, qu'il y a les jolis go. Ça, là, moi, j'ai appris ça. Donc, si j'arrive en Afrique, là, je n'ai pas l'habiter dans les. Parce que, vous voyez, dans les quartiers riches, là, les enfants, là, ne sont pas jolis, jolis. Donc, si tu veux jolie femme, il faut partir dans les bas quartiers, là. C'est là-bas, là, il y a original. Bref, avec elle, il est. Alors, on va l'écouter. Après, on se trouve sur TikTok. Mon TikTok, là, c'est l'amiral Blené. Je le dis toujours. D'ailleurs, en tête, j'ai mis grammar sur les plus de ce monde. Point d'interrogation. Donc, point d'interrogation. C'est l'information que j'avais eue. Donc, il fallait que je me le dise. Parce que moi, je suis le gars, je ne trouve pas avec les infos. Donc, à partir du moment où un média a officialisé, moi, souvent, je me donne le droit de. Un média a officialisé ce qui se passe, mais je le dis et je le répète, je n'ai pas, je ne dis pas, je n'affirme pas, je ne confirme pas, je mets ça au conditionnel parce que j'ai appris. Mais tu as appris, j'ai appris. Tu fais vidéo pourquoi? Dans quelle intention? D'un ministre. Voilà, un proche d'un ministre. Moi, je ne suis plus marié, hein. Je suis célibat maintenant. Je ne sais pas s'ils jouent avec nous, parce que souvent, les gars, ils font ça. Comme ils savent que tu as beaucoup suivi, ils passent par toi pour essayer de divulguer des informations. Mm-hmm. Et après, on tente de faire un démenti pour te discréditer. Voilà, pour te discréditer. Voilà, tu sais qu'il y a tout ce truc-là. C'est parce que toi-même, tu voulais parler de ça. C'est parce que toi-même, tu voulais parler de ça. Si toi, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent te piéger. Mais pourquoi tu viens t'asseoir, tu fais vidéo? J'ai appris. Ils m'ont donné. Donc moi, je viens, je n'affirme pas. Mais pourquoi tu parles de ça? Tu n'es pas sorti pour aller au dehors. Tu portes ta chaussure, pourquoi? C'est quand tu veux vraiment sortir que tu portes ta chaussure. Tu n'as pas la confirmation. Pourquoi tu parles de ça? Moi, je vous dis, hein, Alassane, il est mauvais. Mais Gbagbo là, Bédier là, tous ceux-là, ils ont le même parcours qu'Alassane Ouattara. Seulement, il y a une petite différence. Bédier, Gbagbo ne mettait pas ses opposants en prison et en exil. Ah, mais non. Donc, sinon, il n'y a pas un qui est propre que un. Ouattara, c'est lui qui a tout commencé. Cas de séjour, c'est là où nous, notre problème même est pas dit. Cas de séjour. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Arrêtez de dire, arrêtez. Ben, tu sais. Quand tu souhaites trop malheur à quelqu'un, là, si tu ne fais pas attention, c'est sur toi-même ça tombe. Si tu souhaites malheur à ton prochain, si tu ne fais pas attention, c'est sur toi-même là, ça tombe. Abbé Béni irait les Kalondo. Donc, à Adabla, c'est lui qui ne veut pas que son mentor il meure. Il n'a qu'à arrêter de dire que ouais, lui là, son mentor il est mort, son mentor il est mort. Toi, ça change quoi dans ta vie? Hein? Mais ça là, c'est une rébellion que tu es en train de faire. Tu es en train de montrer que si le jour il y a occasion là, tu peux tuer Draman. Donc rendez-vous sur TikTok. Allez-y taper l'amiral Blindé. L'amiral Blindé, vous allez me voir. Je suis assis comme ça. Je suis en train de regarder dans mon téléphone. Voilà. Allez-y taper. On se trouve là-bas tout à l'heure. Voilà. Comme Facebook là c'est mort, on va aller de l'autre côté. Voilà. Voilà, il y a Lassina Sangaré qui dit que Alassane Ouattara, il est en bonne santé. Bah, c'est bien. Parce que moi, c'est mon souhait. Parce que, au moment où tu galères, ceux qui se moquent de toi, là, si tu es intelligent, tu dois prier Dieu pour que Dieu vous donne longue vie. Pour que toi, là, tu réussisses demain, là, eux, ils vont voir. Empereur Jamil, c'est ça, non? Jamil,
Ok, c'est compris. Sinon, tu auras affaire à moi. Vite fait. Ça c'est qui ça? Amiral, prends bien soin de mon frère. Konaté. Ok, empereur. Un gamin. Ahmed! Il y a un empereur qui dit qu'il faut me respecter. Hein. Quel empereur? Empereur Jamil. Pourquoi? Je ne sais pas. Il court pour des. Moi, je fais quoi? Ah, je ne sais pas. Il dit qu'il t'aime pas. C'est pas grave. Moi aussi, je n'aime pas. Ah, voilà, c'est ça. Nous, c'est comme ça. Hein. Tu as dit que tu ne l'aimes pas, il est fâché, il dit qu'il ne t'aime pas. Le jour, si tu vois son commentaire, même s'il te dit bonjour, tu le bloques. Je le bannis. Voilà, tu le bannis direct. Voilà. T'as vu, non? Il t'a mis dans un problème. Dès qu'il va voir ton nom là, quand il va être, il va même pas chercher à comprendre. Il va te bloquer directement. Oh bon, non, je rigole, hein. Il t'aime bien. Ah, d'accord. Ouais, il t'aime bien. Il faut pas le bloquer. Vous les gens, ouais. Ouais, il dit il t'aime. Ok, rendez-vous sur TikTok. Allez, salam alaikum, on est ensemble, à tout à l'heure. Ceux qui, Aveleni, lui là, c'est un supporter de Gbagbo. Voilà, c'est un supporter de Gbagbo, c'est lui qui est en train d'annoncer le décès d'Alassane Ouattara. Ok, famille, on s'est dit à tout à Ouattu Kourouni sur TikTok. Et c'est fitri, vraiment, c'est quoi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Amiral Blindé a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Souhaiter la mort à quelqu'un. Glorifier la mort de quelqu'un. Aller danser. Aller faire la fête. Mais c'est méchant. Dans ce monde ici, c'est en Afrique, on voit tous ces trucs. Mais en Europe, dans les pays développés, on ne peut pas voir ces trucs, ces bêtises-là. Vous voulez la mort de papa ado. Mais n'oubliez pas que c'est chez vous. Je répète toujours, n'oubliez pas que c'est chez vous, ça va frapponner. Et je vois des gens qui disent non que oui, mais s'il meurt où? Il ne meurt pas où? Le 25 là, le 25 novembre là. Nous, on va marcher. Marcher là, on ne vous a pas interdit d'aller marcher. Mais quand tu sors dans ta maison, tu es en train de marcher, non? Partez marcher. Parce que dans vos têtes, là, le cerveau qui est là-bas, là, ce n'est pas à jour. Là. On va mettre ça à jour. Vous pensez que vous allez venir parler, non, on va sortir. S'il si meurt ou il ne meurt pas, nous, on va sortir. Et voici la toile, il y a des gens qui sont bêtes. Hein. Il y a des gens, franchement, qui sont vraiment bêtes. La famille, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît. Des gens, tu sont là, fait programme de 25. Nous, on va aller marcher. On va faire ceci, on va faire cela. Là. Ne partez pas là-bas. Oui, n'allez même pas là-bas. Parce que tu ne sais pas, marche que tu vas faire là. Tu ne sais pas ce qui t'a se passé. On ne sait jamais. Il y aura des morts. Il y aura des frappements. Il y aura des bougements. J'ai des jambes. Tu ne connais pas. Tes parents t'ont mis au monde là. C'est pour que toi, tu puisses travailler. Tu puisses vraiment les soutenir. Ou tu puisses t'occuper de ta famille. Ce n'est pas quelqu'un... Tu es sur les réseaux sociaux qui va venir parler des conneries, qui va venir raconter que non, Alassane est mort, Alassane est ceci, Alassane est cela. Et c'est la personne qui va te motiver à descendre dans les rues. Mon frère, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que ceux qui te motivent là, eux te connaissent où? Eux te connaissent où? Eux ne te connaissent pas. Voici aujourd'hui, ils ont souhaité la mort de Ouattara. Entre eux-mêmes, les camps qu'ils ont fait. Alliance, eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que nous, on n'a qu'à aller les voter, on n'a qu'à aller les soutenir, on n'a qu'à faire tel truc, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Non, nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dedans, nous avons déjà dépassé ce stage-là. Nous sommes sur autre level. Oui, nous sommes sur autre level. C'est que nous souhaitons aux Ivoiriens, des gens, si quelqu'un vient te mentir pour dire mon frère, allons-y dans les rues, parce qu'on n'aime pas Ado. Dis-lui, c'est lui-même que tu dis, tu ne l'aimes pas. Il t'a donné quoi? Lui-même va dire zéro. C'est lui-même que tu dis, tu l'aimes là. Lui, t'a donné quoi? S'il dit non, que oui, moi à ce temps-là, mon âge n'est pas encore 18 ans. Il faut lui demander, était tes grands frères? Quand il était au pouvoir, tes grands frères, tes grandes soeurs ont eu quoi? Faut leur poser des questions comme ça. Faut leur poser des questions comme ça.
des manipulateurs, des gens même qui ne sont même pas crédibles, qui viennent sur la toile en train de rencontrer. Après, c'est pour aller insulter mère contre des gens. Voici ça. Voici les souris. Amira Blindé, que même d'autres me détestent. Lui qui est là, il parle, il dit quoi? Il dit, lui, n'aime pas Ouattara en politique. Mais souhaiter la mort de Ouattara, lui, n'est pas d'accord. Et il a répété, et il répète encore. Souhaiter la mort de Ouattara, lui, n'est pas d'accord. Si c'est pour nous en politique, ils vont parler d'affaires de politique. Lui, il est d'accord. Pour dire, pour chasser Alassane au pouvoir, lui, c'est sa manière de voir. Mais vous, les gars, vous, les PPAC, votre manière de faire un combat, c'est pour cela que quand vous étiez au pouvoir, les rebelles même vous ont... Vous voyez, non? Les rebelles ont raison d'enlever Gbagbo au pouvoir. Les rebelles avaient raison. Quelqu'un qui n'a pas pu recoller un pays. Le pays était divisé en deux. Il n'a même pas rassemblé des Ivoiriens pour dire je vais rassembler des Ivoiriens pour faire un pays. Mais le pays était divisé. Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose. Il était l'entrée et distribuait de l'argent. Il était là, il faisait des choses. Aujourd'hui, on voit ses partisans en train de rencontrer des bêtises sur la toile. En train de dire de n'importe quoi sur la toile. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous. Dieu va vous sauver. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. La Djepo, la Djepo, Amira Blindo, etc. Même les sous le dépôt, eux tous ne sont pas d'accord avec vos sorties là. Vous souhaitez la mort de quelqu'un et vous voulez qu'il n'y a qu'à vous suivre. La famille, s'il vous plaît, le 25 novembre là, ne sortez pas. Restez à la maison. Restez à la maison. Monsieur, mais tu parles de nous, dis-nous que oui, 25 novembre, il aura sorti. Là. Eux sont en Europe. Ils sont en Europe. Ce n'est pas toi qui es en Afrique, qui es en Côte d'Ivoire. Tu fais ton petit boulot. Tu gagnes ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en Europe là-bas qui va te motiver à aller dans les rues. Ne sortez pas, restez là. Restez chez vous. Et puis, pour faire foutaise même, partez dans vos boulots. Partez au travail. Ils vont crier là, partout au travail. Vous-même, vous voyez les preuves vérités. Voici la vérité qui se passe là. Souhaitez la mort d'un président. Et on voit des gens qui sont généreux, qui commencent à danser. Même Paul Biya, même au Cameroun, les gars ne souhaitent pas sa mort. Les gars disent, c'est Dieu. Si Dieu l'a appelé, il va partir. Et nous, on va prendre le pays. C'est ça ils disent. Mais ils n'ont jamais dit, Paul Biya va mourir. Paul Biya va mourir. Nous, on va prendre le pouvoir. Eux, ils ne disent pas ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire, des gens, leur cerveau est parti, et c'est même pas c'est parti où. C'est eux qui sont là en train de parler de n'importe quoi. On peut faire ça. C'est 2025 qu'on est en train de préparer comme ça, dans le désordre comme ça. Vos 2025 là, c'est dans le mensonge que vous préparez. Vos 2025 là, c'est dans le désordre, dans le mensonge. Parce que ça, c'est pas la vérité. Mentir aux gens. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre. Et vous voulez que, si vous dites quelque chose, des Ivoiriens n'ont qu'à s'élever pour vous suivre inutilement parce que vous donnez les informations cohérentes. Ce n'est pas cohérent. Vous donnez quelque chose. Vous-même, vous avez vu Toussaint, ma famille. Vous avez vu la jeunesse, vous avez vu Toussaint, d'obéissance civile. Ils ont décapité la tête de Toussaint. J'étais joué ballon avec ça. Mais l'affaire est partie où? Zéro. Ils vont te tuer, tu vas sortir. Des gens vont te chicoter. Souvent, même, on peut te tuer, on peut casser ton pied. Celui-même qui a dit non, viens dans les rues, il ne va jamais t'aider. Il ne te connaît pas. Après, c'est pour venir crier sur les réseaux sociaux. Ouais, Alassane a fait ça. Lui, le gouvernement, oui, les militaires ont fait ça, les policiers ont fait ça. Et puis, c'est zéro. Ça ne va pas aller à quelque part. Attends, toi, tu préfères donner ta vie à des gens comme cela? T'es tué, t'es bastonné? Mon frère, je sais que tu réfléchis, ma soeur. Je sais que vous réfléchissez. On voit maintenant, l'Ivoirien dit, quand serpent est mort, tu vois le ver de tête, il saute. Ce n'est pas aujourd'hui maintenant. Nous, on est là pour vous, pour relayer les informations, pour dire, faites très attention. Si on vous dit, venez dans les rues, ne partez pas là-bas. Faites confiance à votre cœur. N'allez pas, attendez dans les unes. En 2025, c'est dans les unes, ça se passe. Ce n'est pas dans la bouche. Est-ce que vous voyez les gars
Alassane en train de parler des bêtises comme ça. Parce que eux croient, eux font confiance à Alassane. Et nous, les Ivoiriens, en train de voir la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Les réalisations. Les partisans de Gbagbo, ils n'ont rien foutu pour le pays. C'est pour cela qu'eux voient Ado en train de travailler. Ça les fait vraiment mal. Ça les fait mal. Eux veulent enlever Ado même en bris. Pour que les projets qu'Ado Ado a commencé là. Là, au moins, si Gbagbo, ils enlèvent Ado en bris, Gbagbo vient. Bah, eux, chez eux, c'est Gbagbo, ils veulent. Si Gbagbo vient, Gbagbo va terminer. Ils vont dire, c'est Gbagbo, tu as fait ça. C'est ça, tu es le plan B. Mais ça ne va pas marcher. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on est derrière Ado ou rien. On est derrière Ado ou rien. Parce que c'est Ado qui est en train de suer l'âme des Ivoiriens. Il y a eu comme des 1000 morts. Mais aujourd'hui, Gbagbo est quitté en prison. Et c'est Gbagbo a dit Yako. Gbagbo ne vous a pas dit Yako. Gbagbo ne nous a pas dit Yako. Mais on est là. Et c'est ceux-là encore, vous voulez que nous, on n'a qu'à les suivre? Non. Arrêtez ça. La famille, franchement, j'ai mal au cœur. Souhaiter la mort de quelqu'un et puis réjouir, danser jusqu'à faire la fête. C'est en Afrique qu'on voit ça. Si tout en Côte d'Ivoire, on voit ça. La famille, la vidéo là, vraiment, je ne vais pas être longue, je vais arrêter. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.